Bonjour, bienvenue sur Info City TV. Nous sommes aujourd'hui dans le Korsberg à Wöhlenheim avec Florian Christ, exploitant agricole, pour parler de méthanisation agricole, à savoir la fabrication de gaz à partir de déchets agricoles. Florian Christ a lancé son méthaniseur il y a 5 ans, en 2016. Nous allons l'interroger également en tant que membre de l'Association des méthaniseurs de France. Nous interrogerons également la maire de Wilgotheim, Madame Claudine Huckert, pour connaître la position d'un élu après 5 ans de fonctionnement d'une station de méthanisation agricole dans sa commune. Bonjour Florian Christ. Alors vous êtes agriculteur, vous avez lancé une station de méthanisation il y a 5 ans, vous êtes aussi membre de l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France. Pouvez-vous nous expliquer le processus de la méthanisation ? Alors le processus de la méthanisation, c'est digérer des matières organiques avec des bactéries anaérobies, donc comme un ventre d'une vache, pour créer du biogaz. Et derrière, ce biogaz a des valeurs énergétiques qui vont servir soit en gaz naturel, soit à faire tourner un moteur de cogénération pour faire de l'électricité et de la chaleur. Une fois le processus de méthanisation terminé, la matière organique digérée s'appelle le digesta et sert à fertiliser les cultures présentes sur l'exploitation. Le digesta est-il un polluant ou au contraire un fertilisant organique pouvant remplacer le chimique ? Pour moi et pour beaucoup de monde, c'est un fertilisant pour remplacer le chimique pour la simple et bonne raison qu'il contient beaucoup d'éléments organiques et beaucoup d'éléments dégradés, donc de molécules qui servent derrière à fertiliser les plantes et à nourrir le sol. Donc nous, sur la ferme, on a réussi à éviter au maximum les intrants chimiques et on a trop tendance justement à comparer le digesta à une solution sans rien, alors qu'il faut comparer, en vrai ce qu'il faut comparer c'est la solution traditionnelle de fertiliser les cultures en chimique ou de les fertiliser avec le digesta. Nous avons filmé il y a 2 ans les bennes à ordures ménagères qui fonctionnaient au biogaz de la communauté urbaine de Strasbourg. Est-ce que le biogaz ou le biocarburant pour les véhicules est-il un débouché pour la méthanisation ? Aujourd'hui, il est un débouché faible, mais fort à parier que dans le futur, ça soit un vrai débouché. Parce que si on veut rouler dans des villes avec des véhicules lourds, l'option électrique n'est pas une vraie option. Et aujourd'hui, un véhicule au gaz naturel, de plus quand il est produit avec la méthanisation, est très bon dans son bilan carbone. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de R&D et de plus en plus de méthaniseurs qui ont comme projet de monter des stations. Alors j'ai plusieurs collègues, même au fin fond de la Haute-Marne, Philippe Collin qui a inauguré sa station GNV, Agrivalor a inauguré la sienne cette semaine. Et c'est quelque chose qui va venir chez nous un jour aussi, et j'espère chez tous les agriculteurs méthaniseurs. Florian Christ, peut-on évoquer également les nuisances éventuelles de la méthanisation ? Une concentration de déchets sur un lieu ne risque-t-elle pas de provoquer de mauvaises odeurs, peut-être des risques d'explosion, ou encore une augmentation du trafic de camions, de tracteurs ? Alors il faut bien s'imaginer que quand la méthanisation est cohérente, les déchets ne sortent pas du territoire, ils restent dans le territoire. Les déchets que nous méthanisons proviennent, donc les effluents d'élevage proviennent de notre ferme et des fermes des voisins. On a les déchets qui viennent de la communauté urbaine de Strasbourg, enfin d'entreprises sur Strasbourg, c'est pas des déchets qui viennent de beaucoup plus loin que ça. Et d'un point de vue risque de transport, effectivement, il faut bien faire attention que les véhicules qui ramènent les matières au site ne passent pas devant les maisons pour ne pas les gêner. Et ça, c'est un combat de tous les jours. Mais ce n'est pas un combat qui est lié à la méthanisation, c'est un combat propre à l'activité humaine. L'explosion éventuelle, les mauvaises odeurs ? L'explosion, je dirais que c'est un faux risque pour la méthanisation, parce que le vrai risque, c'est le transport du gaz dans les réseaux. Et ça, avec ou sans méthanisation, il y a déjà du gaz qui passe dans les villages. Parce que la méthanisation ne met pas le gaz sous pression dans son processus. Les mauvaises odeurs, effectivement, ça nous arrive d'avoir des mauvaises odeurs, surtout quand il y a le vent qui les ramène sur le village, quand on a un tas qui est mal bâché, quand il y a un camion qui arrive avec une matière puante, ça peut arriver. Le but, c'est de faire attention que dès qu'il y a une mauvaise odeur, que cette odeur-là soit gérée en absorbant les jus, en couvrant le tas. Mais bon, chaque élevage, chaque personne produise des odeurs. Si un particulier met un tas de compost à côté de la piscine de son voisin, enfin, on a les mêmes problèmes de nuisance. 5 ans après, je dirais aussi que toutes ces nuisances sont bien gérées parce qu'on a affaire à un exploitant qui est responsable et respectueux de son voisinage, qui a un souci d'être en dialogue permanent et bienveillant avec le voisinage et qui agit pour minimiser ses nuisances. Alors, vous parlez de passage de camions et de tracteurs. Effectivement, là, à Wilgotheim, vous n'entendez pas de passage spécifique de tracteurs ou de camions. Enfin,
rouler à la méthanisation, tout simplement parce que ces engins-là passent sur un chemin rural qui permet d'accéder directement au site de méthanisation et donc qui n'emprunte pas les axes de passage des riverains. Ensuite, concernant les odeurs, enfin les émissions olfactives, hein, comme je vous l'ai dit, l'unité se situe au sein d'une exploitation agricole avec élevage. Donc de tout temps, il y a eu des odeurs d'élevage et des odeurs de la campagne, c'est comme ça. Aux odeurs spécifiques de la méthanisation, il se peut qu'il y en ait effectivement avec l'apport de déchets humides. Mais là aussi, l'exploitant veille à être très très réactif pour limiter ces odeurs. En fait, l'exploitant est en contact permanent avec les riverains, en contact direct. Donc moi, à la mairie, je n'ai jamais, jamais de plainte liée à cette méthanisation, il faut le souligner quand même. Alors au départ, j'aimerais quand même signaler qu'il y a eu des craintes, des appréhensions. Alors aucune opposition formelle ou massive, mais forcément des craintes, des appréhensions liées à l'apparition d'une installation neuve qu'on ne connaissait pas dans notre paysage local. Donc forcément, ce qui est inconnu, ça suscite les craintes. Et à cet égard-là, je voudrais quand même souligner l'effort vraiment important de Florian Christ, le gérant de Metacrist, pour une bonne information sur le processus de méthanisation. Depuis le départ, il joue la transparence, il propose régulièrement des portes ouvertes, des visites guidées, et je dois dire que les gens qui vont visiter le site peuvent poser des questions, prendre connaissance du processus et sort de là complètement rassuré quant au processus de méthanisation. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est fondamental pour les porteurs de projets d'informer la population, de communiquer, de tout simplement faire connaître leur projet à la population qui a besoin d'être rassurée. N'y a-t-il pas le risque de voir apparaître des stations de grande taille pour plus de rentabilité ? Quelle est la taille idéale pour vous d'une station de méthanisation ? J'aime pas cette notion de taille parce qu'elle veut rien dire. On peut avoir des petits sites de méthanisation qui font pas correctement les choses, qui font pas attention de couvrir leur tas, qui font pas attention aux nuisances. Alors, et on peut très bien avoir des très gros sites qui sont cohérents, qui traitent que des déchets et qui font tout proprement. Le développement de la méthanisation pourrait-elle entraîner, selon vous, des dérives en termes de valeur des déchets, mais aussi du transfert du produit agricole alimentaire pour de la matière première pour faire fonctionner les méthaniseurs? Effectivement, dans certaines zones où plus il y aura de méthaniseurs, il peut y avoir une pression sur les déchets qui peut amener derrière à cultiver des fourrages pour la méthanisation. Ce n'est pas forcément mauvais. Ce qu'il faut, c'est faire attention à l'excès. Il ne faut pas qu'il y ait des régions entières ou des zones entières qui soient dédiées juste à des méthaniseurs. Le but du jeu, c'est d'arriver à composer avec ce qui est déjà fait aujourd'hui. Il faut que les humains continuent à être nourris, il faut que les élevages continuent d'exister. Et là où c'est problématique, c'est si les méthanisations demain devaient être amenées à remplacer les élevages. Sur le volet économique, selon vous, la méthanisation est-elle rentable ? J'ai entendu par exemple parler dernièrement de la baisse du tarif d'achat de biométhane. Apparemment, donc, les prix d'achat ne sont pas garantis. Alors, les contrats peuvent être garantis, mais il faut bien s'imaginer que l'énergie aujourd'hui est beaucoup plus. L'énergie produite par la méthanisation est beaucoup plus chère que l'énergie fossile ou que l'énergie nucléaire. Et il faut peut-être juste se poser la question quelle est la valeur de l'énergie pour parler de rentabilité derrière. Est-ce que selon vous, la méthanisation est-elle une solution globale pour une meilleure gestion des déchets, déchets agricoles, mais aussi déchets ménagers par rapport à l'enfouissement ou l'incinération ? Concrètement, oui, parce qu'aujourd'hui, pour certains déchets, la méthanisation est la seule solution viable. Parce qu'il faut bien imaginer que même tous les déchets produisent déjà du gaz quand ils sont dans la nature, et la méthanisation, tout ce qu'elle fait, c'est capter le gaz pour en faire de l'énergie. Donc on s'inscrit bien dans un cercle vertueux. Si on enfuit un déchet sous terre en centre d'enfouissement, on va faire du méthane qui va partir en l'air ou qui va être torché dans une torchère. Si on incinère, pareil, il faut filtrer après les choses, alors que la méthanisation, elle assure un retour de la matière organique purifiée au sol de par son digestat, et en plus elle permet de produire de l'énergie de par son processus. Peut-on prendre un peu de recul ? On a l'impression aujourd'hui qu'il est nécessaire de se justifier et de défendre les énergies renouvelables. Que s'est-il passé depuis 5 ans où on signait des accords de Paris avec l'objectif de lutter contre le réchauffement climatique, de baisser la dépendance au pétrole ? On évoquait le solaire, la géothermie, l'éolien, l'hydraulique, la biomasse et le biogaz. Aujourd'hui, on entend beaucoup de critiques sur ces mêmes sources d'énergie. Que s'est-il passé ?
Ce qui se passe, c'est que ces sources d'énergie commencent à arriver et du coup, elles ramènent un certain nombre de problèmes. Ce qu'il faut faire, c'est justement gérer ces problèmes. Nous, au sein de l'association, par exemple, on a une charte qu'on fait évoluer en permanence pour maîtriser ce que font nos adhérents et pour justement pallier à ces problématiques-là, pour prouver, on va dire, que notre énergie est bien verte, entre guillemets. Quels vont être les combats pour l'association des agriculteurs méthaniseurs de France ? Les combats futurs, ça va déjà être de revendiquer que notre énergie est bien, déjà pour commencer, pour justifier de son prix élevé. J'ai vu sur votre site web votre message « Nous produisons du lait, de la viande et du biométhane ». Est-il important, selon vous, de maintenir la variété des disciplines dans l'activité agricole ? Tout à fait. Aujourd'hui, notre cœur d'investissement n'est pas sur la méthanisation. L'investissement, c'est sur notre ferme. Parce qu'avant d'être méthaniseur, on est quand même d'abord agriculteur. Donc sur notre ferme, la méthanisation ne mange que les déchets. Et du coup, le revenu se fait avec la vente de lait, on a un projet de fromagerie. Et notre but, c'est justement de faire de l'agriculture de conservation des sols. Et pour ce faire, il faut qu'on aille chercher de la valeur ajoutée dans le produit. Et pour chercher de la valeur ajoutée dans le produit, il faut qu'on aille au bout des choses, en vendant nous-mêmes notre viande, et en transformant nous-mêmes notre lait pour le vendre aux consommateurs. Et la méthanisation, elle est que là en plus, ou pour permettre de faire ça, pour boucler la boucle. Les enjeux sont nombreux pour le monde agricole, mission alimentaire, transition agroécologique, énergie, pérennité des exploitations, c'est beaucoup pour un seul homme ou pour une seule famille. J'ai envie de dire, c'est pour ça qu'il ne faut pas être tout seul, c'est pour ça qu'on s'est structuré en association au niveau national. Et nous, aujourd'hui, il faut bien s'imaginer que le métier d'agriculteur, c'est un métier où on voit beaucoup de choses. Et du coup, je ne crois pas aux exploitations justement qui sont juste familiales ou qui sont juste avec une seule personne parce que c'est pas des exploitations durables. La pérennité d'une exploitation, c'est quand elle gagne, faut qu'elle gagne un peu d'argent, il faut qu'elle puisse payer ses hommes et il faut qu'elle fasse attention à l'écologie. Et pour être ça, il faut être plusieurs. Nous, on est 11 avec les salariés associés et les salariés, parce qu'on croit justement à cette durabilité et on croit au travail de l'homme. Et justement, il faut qu'on soit pluriactivité pour pouvoir payer tout le monde décemment. La ferme du Haut-Village, dans laquelle nous sommes aujourd'hui, est dans votre famille depuis 1865. Y a-t-il encore quelques sujets communs entre 1865 et 2021 dans l'activité agricole ? J'ai envie de dire tout. Tous les sujets communs historiques, parce qu'on cultive toujours les mêmes terres. On en a un peu plus qu'autrefois, mais globalement, c'est toujours sur les mêmes champs. On fait toujours du lait et on a toujours du monde qui vit de cette ferme-là. La maire de Wilgotheim, Madame Claudine Huckert, qui a évoqué en off quelque chose d'important, le fait pour les habitants de pouvoir à présent se raccorder au gaz pour leur chauffage, et ceci grâce au raccordement de votre station au réseau RGDS. Êtes-vous fier de cette contribution ? Et ce sera ma dernière question. Oui, j'en suis fier parce qu'avant, il n'y avait pas le gaz dans le village et le fait de mettre notre méthanisation, ça a permis de tirer le gaz jusqu'au village. Et du coup, ça permet effectivement aux gens même d'acheter notre propre gaz. Merci Florian Christ d'avoir accepté notre invitation et merci pour cette interview. Merci. Merci à la mairie de Wilgotheim, Claudine Huckert, pour son intervention. Merci à Florian Christ pour son échange sur le sujet de la méthanisation. Nous aurons sans doute l'occasion de revenir sur le sujet et dans tous les cas sur le sujet agricole. Merci pour votre attention. À bientôt sur Info City TV.